Donc, introduire le dossier au niveau de la Coupe internationale, il y a trois acteurs qui peuvent le faire. C'est notamment l'État, un État membre notamment, donc comme la RDC, on peut introduire. Il y a aussi le Conseil de sécurité des Nations Unies, mais le procureur lui-même, le procureur de la CPI, peut lui-même se saisir d'un cas et commencer à déclencher la procédure au niveau de la Cour pénale internationale. Et alors, à ce niveau ici, c'est nous, la RDC, qui avons beaucoup plus d'intérêt. Moi, je crois que, dans tous les cas, la justice internationale, c'est une justice. Comme tout autre, nous avons des procureurs, nous avons des avocats, nous avons, nous avons les professionnels du droit, les acteurs de la justice. Moi, je crois que c'est à nous de préparer le dossier, c'est-à-dire de documenter tous les crimes et de saisir la CPI à ce moment-là, comme ça serait l'État congolais. Il faudra alors que le ministre de la Justice saisisse la CPI sur des cas précis, des crimes qui ont été commis et demander à la CPI de poursuivre les auteurs. Parce qu'à ce moment-là, même les auteurs, nous, au niveau de la RDC, nous aurions pu déjà, ce sont des gens que nous connaissons. C'est à nous de le faire et de saisir la CPI et de dire voici les crimes, nous avons les preuves, nous vous les avons présentées, nous avons, nous, le droit de vous saisir, nous, État congolais, nous vous avons saisi, poursuivez. Si vous ne le faites pas, alors ça serait un déni de justice.